Belladonna, tu as été en fait conviée, demandée à un rendez-vous secret par ton contact habituel, donc ce fameux contrebandier du nom de Zolamar. Tu t'y es rendu parce que Zolamar, généralement, est un peu ta source de. Ta source d'emploi, j'ai envie de dire, et aussi ton contact auprès du Vélénon, et bon, tu commences à avoir de plus en plus de liens étroits avec cette organisation criminelle, je le rappelle. Et lorsque tu t'es rendu à ce fameux rendez-vous, tu sais pas trop ce qui s'est passé, et tout est devenu noir. Tu t'es senti partir, comme si peut-être quelqu'un t'avait donné un coup derrière la tête, ou autre. Et la seule chose que tu as entendue en t'évanouissant, avant que tout s'obscurcisse à tes yeux, c'est de la part de la Gorgone. Ah, ce que je craignais. Alors, pour faire une petite une petite précision, donc aux auditeurs et à Keldar, c'est seulement sa deuxième aventure. Donc nous jouons dans la cité Salamandar, dite la cité perverse, qui donc est une cité hautement cosmopolite qui rassemble des gens d'un peu partout du monde connu, donc du monde qui gravite autour de cette fameuse grande mer intérieure, d'autres cités en place. Et à Salamandar, donc il y a deux organisations criminelles. Celle qu'a pas rejoint, mais pour qui elle travaille de plus en plus fréquemment, donc Belladonna, s'appelle le Veleno. Et le Veleno, c'est une organisation criminelle qui, en fait, est composée essentiellement de voleurs venus d'une autre cité qui s'appelle Mercantia, qui est un peu l'équivalent de la Venise de ce monde-là. Et elle est en compétition directe avec la plus puissante des familles criminelles qui s'appelle la Gorgone, qui est une organisation criminelle purement salamandrite. Du coup, Belladonna a eu un petit retour de bâton. Donc tu perds conscience, Belladonna. De la... Oui, vas-y, dis-moi. J'allais juste dire, est-ce que dans le cadre de la première aventure que j'ai vécue, qu'a vécue Garante, est-ce que j'étais en contact avec cette organisation-là ou c'était une autre? Ou je ne savais pas? Non. De mémoire, vous avez dû être engagé par la Chambre Noire, D'accord. qui n'a rien à voir avec une Rien à voir. organisation criminelle. La Chambre Noire, enfin, en tout cas avec une famille criminelle. La Chambre Noire, c'est quelque chose de beaucoup plus en retrait de la vie politique criminelle de Salamandar et qui fait appel à des individus de votre espèce, des voleurs. Pour le compte généralement de personnes qui ne veulent pas du tout être mêlées à des individus de votre espèce. D'où le fameux œuf de cocagne que vous avez récupéré tous les deux dans des univers parallèles différents, dirons-nous, parce que vous avez fait le même scénar, qui était sans doute destiné à une personne extrêmement fortunée, ou un sorcier, ou collectionneur, voilà. Après, si on Bon. vient en parler, on pourra dire que de mon côté, j'ai récupéré une statuette à la place ou quelque chose. Éventuellement, oui, si c'est quelque chose qui importe, et pour garder une certaine cohérence, en effet, on peut faire ça. Ouais. On peut faire ça. Mais voilà, donc ça c'était pour Belladonna. Et donc le second personnage de ce soir, donc incarné par Keldar, qui se nomme Garande. Garande, toi, les choses ne sont pas passées du tout de la même manière, mais la finalité sera la même. Je m'explique. Toi, tu as été engagé
Eh bien, dirons-nous, par la chambre noire aussi, parce que ça m'arrange. À nouveau, parce que t'avais suffisamment montré, fait tes preuves la dernière fois lors de la récupération de l'œuf de cocaïne. Mais cette fois-ci, la chambre noire t'a envoyé sur un tout autre type de contrat, mission. Elle t'a envoyé dans un quartier assez éloigné du cœur noir, toujours à Salamandar. Il se nomme le Cloaque. Vous pouvez le voir sur la carte, normalement, qui... si... Voilà, j'ai pas fait de bêtises, ça change. Allez là, le Cloaque se situe ici. Vous voyez, le ping. Alors, le Cloaque a une sinistre réputation à Salamandar et c'est pas peu dire. Salamandar est donc une cité qui est donc surnommée la cité perverse, et pas sans raison, dans la mesure où on dit que tout peut s'acheter et se vendre à Salamandar, tout type de plaisir peut être trouvé, et la vie humaine vaut sans doute beaucoup moins cher que certaines drogues sur le marché. À ça, vous ajoutez une police, une garde inexistante, sauf dans le quartier, dirons-nous, des nobles, qui s'appelle l'Écrin. Et donc la loi est assurée soit par des gens comme vous, des guildes de voleurs, des groupuscules de citadins, donc des milices de citadins, des mercenaires employés par certains marchands. Voilà, c'est un joyeux chaos au niveau légal. Et ce petit monde-là arrive quand même à survivre, assez miraculeusement. Mais tout s'accorde à dire que le Cloaque, qui est un quartier demi-enterré, en fait, qui est la résultante d'une catastrophe, un cataclysme qui s'est passé il y a fort longtemps et qui a complètement dévasté ce quartier donc de l'époque, qui est devenu aujourd'hui un véritable, littéralement, un marécage urbain. Et aussi un véritable paradis pour les renégats et les fugitifs. Il tombe bien parce que toi, tu en es un. De fugitifs. Garande, au vu de ton histoire personnelle. Tout à fait. Et la Chambre Noire, donc, au vu de ton passé, t'a envoyé, en fait, à la recherche d'une de tes compatriotes qui, selon toute vraisemblance, se cacherait dans le Cloaque et qui répond au nom d'Isolde. T'en sais pas plus. Okay. Ouais. On t'a fait une description qui, en fait, ne passerait pas inaperçu dans la mesure où il s'agit d'une femme de haute taille, à la peau aussi blanche que la neige, et à la chevelure d'un rouge sang. On t'a dit aussi qu'elle porte une étrange marque de naissance en forme d'étoile. Elle se situe au niveau de l'un de ses avant-bras. D'accord. Très bien. Tu es donc parti. Et en arrivant au Cloaque, continuez donc la petite description du Cloaque. Et tu t'en es vite rendu compte. Le Cloaque, c'est un peu une ville dans la ville, dans Salamandar. C'est-à-dire que les habitants du Cloaque ont leurs propres coutumes. Ils ont même leur propre argot qui rend des gens non natifs comme toi, qui rend la communication assez difficile. Et c'est pour toi, tu as dû déployer bon nombre d'efforts, ne serait-ce que pour comprendre ce qu'ils te racontaient. Visiblement, ils font pas non plus d'efforts pour communiquer en salamandrique commun, j'ai envie de dire. Ces habitants ont, une sinistre réputation. T'as vu des choses un peu louches quand tu commençais à patauger dans la fange du Cloaque. Il faut imaginer un quartier fortement délabré d'une cité médiévale slash antique.
et avec de nombreux affaissements de terrain, ce qui fait que tu peux marcher dans une rue et puis il y a une espèce de précipice avec soit un petit chemin qui serpente jusqu'en bas où ça continue à vivre et soit des marches qui ont été taillées, etc. Et là, dans ce fameux cloaque, donc, enfin, dans ces parties effondrées, eh bien là, c'est véritablement un marécage. Il y a des cahutes faites de briques et de brocs qui ont été construites. Voilà, c'est un véritable labyrinthe pour celui qui n'est pas habitué, comme toi, pour s'y retrouver. Mais néanmoins, faisant appel à toutes tes ressources, qui ne sont pas des moindres, tu as réussi à comprendre que depuis quelque temps, il y avait eu de trop nombreuses disparitions pour que ça en devienne inquiétant, même au niveau du cloaque, même au niveau des habitants, qui ont tous l'air, allez, n'ayons pas peur de faire dans l'image, de véritables tarés congénitaux. Et alors que penser avoir trouvé une piste, ou peut-être l'as-tu trouvé, tu t'es rendu dans ce qu'ils appellent, dans cet endroit, infâme, sordide, et malodorant au possible, une taverne. Tu t'y es rendu, tu as commencé à poser des questions sur Isolde, tu en as profité pour remanger un morceau, boire un coup, peut-être sécher tes bottes crottées. Et toi aussi, alors que tu terminais ta chope et tu remarquais avec une certaine surprise quelque chose qui flottait à l'intérieur que tu n'avais pas vu. Peut-être quelque chose qui s'était mal dilué dans le reste du liquide. Super. Et tu sombreras dans l'inconscience, toi aussi. Aucune référence à la Gorgone quant à toi, mais des rires. De nombreux rires de tous les clients de la taverne. Des rires non moqueurs, mais des rires sardoniques, des rires cruels. Et peut-être même des rires qui en suggèrent encore plus, notamment sur ton sort. Et en parlant de sort, vous commencez tous les deux à reprendre conscience. La première chose qui vous indique que vous n'êtes pas mort, c'est l'énorme mal de tête que vous avez et un engourdissement au niveau de vos jambes, que vous ne sentez plus d'ailleurs. Vous sentez comme si vous chutiez dans le vide. Et après quelques instants, vous reprenez bon sens, vous vous rendez compte que il n'y a nul vide. C'est juste que vous êtes attaché par les pieds à quelque chose et vous balancez mollement au-dessus d'un sol crasseux. En tout cas, vous pouvez quasiment apercevoir et surtout vous sentez une odeur de déjection, d'urine, d'excréments et d'autres choses moins identifiables. On a les pieds en haut, la tête en bas, c'est ça ? Exactement. Et les mains attachées derrière le dos. Vous, chacun de votre côté, vous habituez, vos yeux s'habituent eux-mêmes, à l'obscurité ambiante. Vous pouvez discerner, dans la pénombre à côté de vous, d'autres ombres attachées de la même sorte. Un mince filet de lumière transparaît sous une porte qui doit se situer à quelques coudées de votre position. Vous êtes dans une espèce de cagibille ou quelque chose comme ça, pas très grand. Et comme je le disais, autant garante que Belladonna, vous percevez donc une autre personne, un autre individu qui commence lui aussi, elle aussi, à reprendre conscience auprès de vous. Vous entendez, enfin, pour clore, des voix, deux voix,
de voix d'homme. Assez étrange. L'une est grave, l'autre est plutôt haut perché et éraillé. Il semble se disputer entre deux éclats de rire. Il laisse supposer quelque chose de malveillant qu'ils s'apprêtent à faire ou qu'ils sont en train de faire. Entrecoupé de bruits sourds et presque réguliers. Presque comme s'ils étaient en train de couper quelque chose. Au loin, vous parvient un léger frémissement, un écho d'un tumulte sans doute, mais qui doit se situer bien au-dessus de vos têtes. Un grand nombre de personnes sont en train sans doute de parler, de crier, de chanter. Mais vu votre état et la distance qui vous sépare de ce tumulte étouffé, vous êtes bien incapable de savoir combien elles sont et si elles sont aussi loin que vous le pensez. Je vous laisse donc, chacun votre tour, me dire ce que vous faites, en commençant par Belladonna. Même si l'éclairage n'est pas des plus vifs, vous pouvez en profiter néanmoins pour vous décrire. Je vous écoute. Alors, du coup, avec le... Eh bien, avec le mince ray de lumière, tu pourrais apercevoir que je suis habillée tout en noir, mais avec des vêtements quand même assez de bonne qualité. Pas non plus richement, mais clairement des vêtements pensés pour être pratiques tout en restant élégants. Je suis une jeune femme du coup qui a la peau assez pâle et une chevelure noire qui lui tombe sous les épaules. Enfin, plutôt au-dessus maintenant, étant donné que j'ai la tête en bas. Et bon, j'imagine qu'il faut pas rêver, on n'a pas nos armes ni rien du tout. Absolument, tu te rends compte rapidement que vous avez été délesté de tous vos biens, armure y compris. D'accord. Vous êtes dans le plus simple appareil, en vêtements... Si vous aviez des fanfreluches, des manteaux, vous ne les avez plus non plus. Ah bon, d'accord. Bon, ben en fait, oui, elle est en simple, ben, elle est en simple habit de coton blanc. Voilà. Mais d'ordinaire, ce serait assez facile de l'imaginer dans un pourpoint en cuir noir avec une épée d'excellente facture mercantienne, flambant neuve. Mais pour l'heure, eh bien. Alors, Belladonna reprend doucement conscience. Elle a l'air étonnée, déjà, de reprendre conscience. Et puis, eh bien, je me dis que si je suis encore en vie, c'est que la Gorgone m'a laissée dans une situation qui a l'air moins enviable que la mort. Donc, j'observe énormément. Je suis aux aguets de toutes les infos que je peux avoir sur à quoi on est suspendu, qui sont les autres personnes. Est-ce que, bon, j'imagine que c'est des prisonniers aussi, ou en tout cas des gens retenus. Mais il n'y a pas quoi que ce soit. Les cordes, est-ce qu'elles ont l'air solides? Est-ce qu'il y a un moyen de se balancer quelque part, peut-être? Il n'y a pas de support par terre, de chaises, de meubles qui pourraient servir de support ou rien du tout. Tu te rends compte que... Alors, par terre, il n'y a absolument rien, mis à part une litière, donc faite de paille complètement pourrie, et qui n'a pas dû être changée depuis perpète. Vous êtes attaché par des cordes, mais tu ne sais pas exactement, étant donné le peu d'éclairage, vous entendez juste le craquement, le caractéristique qui est peut-être rassurant de ces cordes. Ils sont retenus par quelque chose au niveau du plafond de cette pièce où vous vous trouvez. À côté de toi, tu peux te rendre compte, et Garande aussi, que vous êtes trois dans cette petite pièce. Et pour ainsi dire, il y a le troisième individu qui est entre vous deux. Maintenant que Belladonna commence à remuer,
Eh bien, garant de toi, tu te rends compte que la deuxième personne, enfin, la troisième, du moins, la deuxième personne autre que toi, à l'intérieur de cet endroit, commence à revenir à elle et essaye de regarder, de bouger, voilà, elle s'anime. L'autre, celui qui est à côté de toi directement, pas du tout. Est-ce qu'il y a un liquide qui, par hasard, goûte sur le sol? Tu entends, effectivement, prenant bien soin de te concentrer, malgré, je rappelle, le mal de tête qui, par incidence, vous met un désavantage à tous vos tests pour le moment. Tu entends, effectivement, plusieurs gouttes à gouttes, plusieurs ruissellements, si tu préfères, mais qui viennent pas forcément du même endroit. Il doit y avoir d'humidité, d'infiltré. Mais du coup, la personne qui est complètement immobile, on peut, enfin, il fait pas assez, il n'y a pas assez de lumière pour déterminer si elle est blessée ou si elle est juste encore inconsciente. Donc pour l'instant, encore une fois, c'est compliqué de savoir tant que vous n'avez pas plus de lumière que ça. On est bien d'accord, on est trois à pendre misérablement de cette manière, en tout. Absolument. Ok. Donc Garande, oui. À toi de te décrire, que fais-tu, comment réagis-tu lorsque tu reprends conscience? Alors, autant que tu puisses le voir vu qu'on est à l'envers, mais je suis plutôt grand, brun, plutôt de grande taille et plutôt fin et de corpulence élancée. Avec une, alors certes la barbe est assez négligée. Par contre, tu remarques la fine moustache bien dessinée sur mon visage. C'est à peu près la seule chose qui soit à peu près élégante. Mais mes vêtements, ce qui me reste de mes vêtements, devait être dans un passé un peu lointain, plutôt élégant. Ils sont assez délabrés aujourd'hui. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur moi dans ces circonstances-là. A priori, plutôt voilà, une tête plutôt beau gosse, comme on dit, mais ça mériterait d'être confirmé en voyant dans le bon sens. En tout cas, moi, je commence, voilà, j'essaye de regarder ce qu'il y a autour. Je suis assez inquiet, parce que se retrouver dans cette situation-là, je crains le pire. Et donc, je vais, pareil, essayer de voir par rapport aux deux autres personnes qui sont dans la même situation, je vais essayer de m'adresser à eux dès que possible. Et demander si, oui, vous êtes là en parlant à faible voix, quand même. Hein. Je veux pas attirer l'attention des bruits que j'entends un peu plus loin. Alors déjà, quand tu essayes de parler, le premier son qui sort de ta gorge, en fait, c'est une toux sèche. Tu manques d'ailleurs de t'étrangler. Tu reprends rapidement composition et tu parviens donc à émettre des sons un peu éraillés avant de retrouver peu à peu ta voix. D'accord. Et à ce à quoi répond ou pas Belladonna, quelque chose? Du coup, j'imagine que je tousse aussi. En essayant de répondre. La même, oui. Mais, vous êtes conscient? Si on peut appeler ça conscient, on va dire à moitié. On est dans un sacré pétrin, non? Oui, c'est ce qu'on peut dire, oui. Mais vous savez pas où on est, qu'est-ce qui se passe? À mon dernier souvenir, j'étais dans une... dans une taverne du quartier du Cloaque. Et je suppose qu'on doit être dans un sous-sol. Je sais pas ce qui s'est passé. Là. J'ai dû m'évanouir, quelque chose comme ça. En tout cas, il faut se sortir d'ici. Je pense rapidement. Je crains le pire vu les malfrats qui traînent dans ce quartier. On va pas en réchapper vivant si on traîne trop longtemps. Alors on est dans le Cloaque. Oui. Je suppose. Et lui, là, il s'est déjà exprimé. Je montre le troisième. Enfin, je montre. J'essaye de montrer d'un signe de tête le troisième. Il a déjà parlé, lui.
L'autre personne, je viens à peine de reprendre conscience, je saurais pas dire, mais il a l'air complètement immobile. Mais il bouge pas. Vous voyez une ombre en fait bouger. Bien sûr, vous savez que l'autre est un homme ou une femme, bien entendu, mais c'est à peu près tout en fait ce que vous pouvez voir en termes d'informations. Quant au troisième larron de votre infortune, celui-ci n'émet aucun son. Il ne bouge d'ailleurs quasiment pas, à votre différence d'ailleurs. Les cordes ne craquent pas. Je suppose que nos mains sont liées. Vos mains sont liées dans le dos, en effet. Ah oui, en plus. D'ailleurs, en testant la solidité des liens, j'imagine qu'on va pas s'amuser, enfin, y arriver à les défaire facilement. C'est de la corde solide et ils ont été très serrés, en fait. Très fortement serrés. Ce qui fait que vous avez également une perte de motricité, de sensation au niveau de vos mains. Vous devez être là depuis un petit moment, d'ailleurs. On va en profiter pour utiliser donc la règle sur la chance. Et vous allez tous les deux me jeter... Un des six, s'il vous plaît. Vous me donnez un résultat. 3. Ok. Pardon, combien ? 3. D'accord. Rien de spécial. Ok. Donc là, en fait, c'est la règle pour déterminer avant chaque aventure votre bonne ou mauvaise fortune, et là, il n'y a rien de spécial sous le soleil. Donc, vous n'avez pas de modificateur au niveau de la chance, ce qui m'amène maintenant à répondre à ta question. On va déterminer s'il y a quelque chose d'utile pour vous deux, en fait, hein, oui. En faisant un test de chance. Donc, l'un ou l'autre va me jeter encore une fois un D6, et je vous dirai s'il y a quelque chose ou pas. Belladonna, c'est à toi de... Tu tentes ? Comme tu préfères. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. 4. Ok. Qu'est-ce que vous cherchez exactement ? Ah. Quelque chose de... Je me dis quelque chose qui... Alors, spontanément, quelque chose de coupant, qui permettrait de couper la corde, mais même si je le trouvais, je ne sais pas comment on pourrait s'en servir avec les mains dans le dos, mais enfin bon, spontanément quelque chose de coupant, quoi, qui voilà, permettrait de couper cette corde. D'accord. Et toi, Belladonna, tu voyais quoi, toi ? Alors moi, du coup, j'aurais... Bon, en testant la solidité des liens au niveau de mes mains, je sais que ça va être compliqué. Donc j'aurais cherché au niveau du nœud qui maintient mes pieds en l'air. Et surtout au niveau de la base de la corde, voir au plafond c'est où, à quoi c'est relié exactement, s'il n'y a pas moyen de faire céder un petit peu ça. Ok. D'accord. Alors, tu te rends compte que vous êtes attaché très solidement en fait à des crochets de boucher. Vos cordes sont passées donc autour et solidement serrées là. Tu penses que le crochet a l'air bien stable, parce qu'il doit supporter sans doute bien plus lourd que toi. Si on parle de pièces de viande, etc. Par contre, effectivement, tu te rends compte que tu pourrais peut-être... faire céder le nœud qui te retient donc à ce crochet. Et c'est quelque chose que je vais essayer du coup. Ok. C'est une pièce à taille normale. Le sol est pas trop loin en dessous. C'est pas dangereux d'atterrir. Non, le sol, il doit être à peut-être à 30 cm à peu près. Ah, d'accord. Vous pendez, c'est pour ça que vous avez pu voir qu'il y avait de la paille, des choses comme ça, parce que vous êtes vraiment, bon, pas le nez dedans, mais pas loin, quoi. Ok ? Donc, tu commences à te contorsionner.
Tu vas me gérer ça avec un test d'agilité. N'oublie pas que tu as un dé en moins. Ah bah du coup si c'est le dernier dé, ça me fait aucune réussite. Tu relances, on va le faire, j'aurais dû le repréciser. Vous avez tous un dé en moins à tous vos tests hein, pour l'instant. Donc il est... Ok, tu Une as un réussite. succès. Ok, tu fais céder le nœud au bout d'un moment et tu tombes sur le sol dans un bruit mat. Bien joué. Oui, j'ai un gros ouf. Garande? Pendant ce temps, est-ce que il était envisageable d'essayer de, en me contorsionnant, de passer les, comment je voulais faire, les mains sous les, tu sais, elles sont dans le dos, sous les fesses et le long des jambes, où c'est complètement illusoire de faire ça. Non, ça serait compliqué dans ta Ouais, ça serait posture. compliqué. Ouais. Bon, bah alors pendant que j'essayais de me contorsionner, j'ai vu le succès de Belladonna et je lui dis vite, 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 Et délivre-moi vite, délivre-moi vite. effectivement, tu fais bien d'accélérer les choses, d'inciter à la plus grande vitesse, car vous entendez les voix qui étaient à côté. Je rappelle, hein, vous avez une porte et vous aviez deux voix de l'autre côté. Qui s'arrête. Vous entendez la voix grave qui marmonne quelque chose. La voix éraillée répond. Puis vous entendez un dernier boum, comme si on venait de planter quelque chose dans une surface dure. Et des pas qui se dirigent vers votre porte. Aïe. Que faites-vous? Belladonna, tu es donc au sol, tu t'es relevé péniblement. Je rappelle que tu ne sentais plus tes jambes. Donc, tu commences à reprendre peu à peu contrôle de toi. Et en fait, quand tu relèves la tête, tu tombes nez à nez avec le visage sans vie de Zolamar qui pend entre toi et ton nouveau compagnon. Et tu t'aperçois que sa gorge a été tranchée et que il y a une coupelle, plutôt un bol, qui est situé en dessous de lui, même plus qu'un bol, plutôt une bassine, et qui a servi sans doute à récupérer pas mal de son sang. Celle-ci est presque vide. Et tu peux apercevoir aussi à ta plus grande horreur, parce que tu es vraiment proche de lui, eh Oui. bien, qu'il lui manque les oreilles. Et en regardant peut-être rapidement derrière lui, tu vois que, en fait, eh bien, Zolamar, en fait, il lui manque ses deux mains. Ah oui, quand Non. même. Oui, je reste un instant sous le choc comme ça à le regarder et bon, j'imagine que tu es toujours en train de me houspiller pour que je me dépêche. Libère-moi, libère-moi, libère-moi vite, Oui, zizi. Oui. Mais tu te souviens En d'une fait. chose. Toi, Belladonna, qui connais Zolamar. Tu sais que Zolamar, il garde toujours une lame planquée sur lui quelque part. Un réflexe de sa vie de contrebandier. Il a encore ses vêtements ou Il a encore ses vêtements. donc une Pour poche ou préciser, vous n'avez pas vos chaussures. Vous n'avez pas vos bottes, vous êtes pieds nus, ou voilà. Idem pour lui d'ailleurs, hein, donc la dague n'est pas planquée dans sa botte. Donc il doit l'avoir quelque part sur lui, peut-être dans une doublure de son vêtement, tu sais pas. Mais tu sais qu'il y a toujours une dague, une lame, pas forcément une dague, ça peut être un couteau, un truc comme ça, sur lui. Est-ce que tu peux mal fouiller, sachant qu'il y a des pas qui arrivent? Oh là, ouais, je vais. Alors, est-ce que on peut considérer que j'ai essayé de faire passer, quoique, non, je sais pas si c'est, non, c'est pas possible. Mais par contre, j'aurais pu faire la manœuvre de Kaisei Garant, c'est-à-dire essayer de faire passer mes jambes enfin, entre l'espace entre mes bras et moi pour les refaire passer devant, pour mieux manœuvrer mes mains. Maintenant que tu es détaché, tu peux le faire. Ok, mais je vais faire ça avant d'essayer de le fouiller rapidement, parce que je me vois mal défaire un nœud avec mes dents. Je fouille en priorité les manches. Ouais, les manches, c'est un accès rapide. Comme tu es prise par le temps, tu vas me faire un test en vigilance.
avec un dé de pénalité toujours parce qu'il fait noir et puis bon, parce que vous êtes toujours dans cet état un petit peu nauséeux. Ok, très rapidement, tu finis par mettre la main sur quelque chose de dur dans la doublure de sa manche. Tu arraches le tissu d'un geste et tu te retrouves avec un couteau, avec une lame relativement courte, mais qui pourrait servir à couper des liens ou peut-être même à tuer quelqu'un si tu vises bien. Les pas s'arrêtent devant la porte à ce moment-là. Et vous entendez pester et des bruits métalliques retentir. Visiblement, la personne qui se trouve derrière est en train de chercher une clé. Que faites-vous ? Avec ton couteau, on est sauvé. Libère-moi. Si je sais pas si tu sais t'en servir, mais je saurai faire. T'en fais pas, Ami, je te libère tout de suite. Je murmure un remerciement à Zolamar qui n'a de rien, continue de m'aider même dans la mort. Et je vais trancher les liens de Garland. Ok, Garand. Garand, ouais. Tu tranches les liens. Garand, idem. Tu t'effondres au sol dans un bruit mat. Il te faut quelques instants pour récupérer ta motricité. Ouais. Tes jambes reviennent à toi. J'essaie de me masser les chevilles et les poignets. T'as peut-être pas trop le temps de te masser quoi que ce soit, ouais. Étant donné que vous entendez maintenant une clé qui rentre dans la serrure. Vous entendez plusieurs clics, clics, clics. Et la porte commence à être poussée. Il y a une fente lumineuse qui apparaît maintenant dans votre pièce, qui éclaire donc faiblement. Vous pouvez voir que effectivement il y a pas mal de restes d'ossements. Vous pouvez voir ici et là des ossements humains. Vous pouvez même voir que non loin de là où tu atterris, Garand, il y a un crâne qui a été avec un gros trou en son sommet. Et surtout, vous pouvez voir donc le terrible spectacle, étant donné que la fente lumineuse éclaire le milieu de la pièce, c'est-à-dire le cadavre de Zolamar. La personne s'arrête, c'est pas un instant. Vous entendez l'autre voix plus rugueuse qui l'interpelle. Donc elle s'arrête de pousser la porte et vous comprenez pas tellement ce qu'ils sont en train de dire, étant donné qu'ils parlent dans cet argot. Et vous n'êtes pas salamandrite et vous êtes sans doute jamais allé dans le cloaque auparavant. Mais toi, Garand, qui a commencé en fait ton investigation depuis quelque temps, tu comprends que l'autre individu demande à celui qui est en train d'ouvrir la porte de ramener quelque chose à bouffer. D'accord. Je me tourne vers Belladonna, je lui fais en chuchotant le couteau. Tu le gardes ou tu me le donnes ? Tenez, prenez-le. J'ai les mains encore. Ah oui. Et du coup, je te tends mes mains pour que tu puisses défaire les cordes qui les lient encore. Ah oui, 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 oui. On se défait, on se défait les mains des liens et cachons-nous derrière un pilier. Il n'y a pas de pilier, en fait, c'est vraiment une petite pièce. Ah d'accord, pardon. La seule cachette, en fait, ça serait sur le côté de la porte, l'un ou l'autre côté d'ailleurs. Mais sinon, imagine une cellule, hein, t'as pas plus de planque que ça. Ouais. Okay. Donc la porte s'ouvre, révèle un individu qui est de profil, qui est toujours en train de jacasser avec son comparse, grand, mince, avec des guenilles en fait en guise de vêtements. Il est plutôt mince, il est même plus maigre en fait. Il a un air de fouine, quelque chose qui transpire la malveillance sur son visage complètement glabre et à la chevelure rasée. Il a une ceinture en cuir. De bonne qualité. D'ailleurs, ça doit sans doute être la ceinture de Belladonna. Ta belle ceinture de cuir que tu as dû acheter récemment avec l'acquisition de ta nouvelle brapière. Et à ta ceinture, donc il a un trousseau de clés. Il doit avoir peut-être 3 ou 4 clés dessus. Bonnes grosses clés. D'ailleurs, l'une d'entre elles est beaucoup plus grosse que les autres. Elle a l'air beaucoup plus ancienne. Je m'étends pas plus dans la description dans la mesure où ça se passe rapidement. Et il a dans l'autre main que celle qu'il utilise pour ouvrir la porte,
donc dans sa j'ai envie de dire dans sa mauvaise main, sa main gauche, il a un couteau, en fait, un couteau à dépecer. Il passe la porte. D'accord. Il fait un pas à l'intérieur, mécaniquement, hein, sans s'attendre à quoi que ce soit. Tombe nez à nez avec le cadavre de Zolamar, qui continue toujours à se pencher. Et vous voyez que son regard, en tout cas, vous voyez sa tête plutôt, en fonction où vous êtes, qui commence à se tourner pour voir vos personnes et qui n'y sont pas. Donc à vous, qu'est-ce que vous faites? Vous avez 3 secondes pour agir. J'attaque. Pareil. Ok. Donc... Je le plante. Belladonna, tu essaies de le ceinturer, un truc comme ça, pendant que ton compagnon le plante? Oui, c'est qu'est-ce que fait. J'essaie en priorité de neutraliser ses bras pour laisser tout le champ libre à Garant. D'accord, ok. Garant, tu, bien sûr, vous l'avez pris par surprise, il ne s'attendait absolument pas. Tu peux me faire donc un test de combat. Et tu vas faire ton test de combat normal, sans bonus ni malus. D'accord. Donc, car tu es toujours en train de récupérer possession donc de tes mouvements. Ok, d'accord. Deux succès. Le coup a été bref, précis, mortel. Je compte que tu as fait un succès excédentaire, donc je considère que tu as une très bonne réussite sur ce que tu voulais faire. Je pense que tout simplement, tu l'auras peut-être ou égorgé ou quelque chose comme ça qui l'empêcherait même de crier au final. Okay. Tu vois un regard en fait médusé entre surprise et horreur lorsqu'il te voit bondir sur lui. Avec ta lame au clair, et rapidement ses yeux deviennent vitreux comme toi es couvert de sang. Okay. Et crie un jet de sang chaud sur le visage, dans les yeux, sur tes vêtements, ce qu'il en reste, et l'individu s'effondre dans les bras de Belladonna, au bout de quelques instants. Ouais, on retient le corps pour pas que ça fasse du bruit au sol, en s'écrasant au sol. L'autre va probablement arriver aussi. Vous entendez toujours débiter quelque chose, vous entendez toujours des bruits sourds, et maintenant que la porte est ouverte, vous entendez un à chaque coup. Ok, fouillons le corps. Je crois que j'ai vu une lame. Regarde s'il y a autre chose avec lui. Les clés. Oui, déjà je récupère ma ceinture. Ok, tu récupères et ta ceinture. Et avec les clés qui vont avec. Avec les clés. Il avait une lame, hein, c'est ça? Il avait un couteau. Il avait un. Il avait un... Dépecer, oui, ouais. C'est ça, un couteau à dépecer, donc c'est comme une dague, une arme courte. Ok. Soit pour moi, plutôt pour Belladonna pour le coup. Enfin, non, pour le coup, je veux bien récupérer la petite lame que t'as. Je suis peut-être plus à l'aise avec des lames fines. C'est parfait. Ok. Il peut avoir autre chose dans ces frustes. Tu le fouilles? Oui. Ok. En le fouillant. Tu découvres quelque chose qui t'appartient, à toi de dire ce que c'est, quelque chose de petit, peut-être un symbole de ta famille, peut-être quelques bijoux qui comme une bague, peut-être un sceau, quelque chose du genre qui t'a appartenu jusqu'alors. Tu l'avais tout simplement piqué pour lui. D'accord, très bien, je le reprends en l'injuriant silencieusement. Okay. Donc vous récupérez vos possessions. Ainsi qu'une deuxième arme. Et donc maintenant, vous êtes en fait face en fait à une autre pièce qui est contiguë, qui est un peu plus grande que celle où vous trouviez juste à côté, enfin juste avant, pardon. Et dans le fond de celle-ci, vous pouvez voir de dos un individu petit, très costaud, aux épaules larges, avec un coup de taureau, qui est en train de débiter en fait un cadavre. Humain, vous voyez qu'il coupe en fait dans la jambe. Il y en a un autre sur un autre tréteau, donc une autre table sur des tréteaux, un peu à côté, sans doute celui de l'individu qui vous accompagnait, avec un fendoir de boucher qui est planté dedans, dans le bois, donc un cadavre. Donc ce sont deux cadavres d'hommes. Donc sans vous rapprocher, vous savez pas. Enfin voilà, peu importe. Plus de détails que ça.
La pièce est éclairée par un bras zéro, en fait, qui est entre vous et l'individu, en fait, qui est au centre de la pièce. Et vous pouvez voir, du coin de l'œil, en fait, que sur la gauche, il y a tout un capharnaüm d'objets qui ont été empilés. Et vous pouvez rapidement remarquer que ceux qui sont au-dessus de la pile, ce sont les vôtres. Aha. Et pour terminer, vous voyez qu'il y a à droite, donc du coup, il y a une autre porte qui est ouverte et qui donne visiblement sur une autre pièce à côté. D'accord, ah, la porte est ouverte, ok. Mais vous entendez pas, vous ne voyez pas de lumière en provenir, vous entendez un peu mieux le tumulte que vous entendiez tout à l'heure étouffé, qui doit provenir de plus de ce côté-là, parce que vous l'entendez un peu plus nettement. Coup de taureau, il est dodo par rapport à nous. Il est dodo, ouais. Il est en train donc de s'affairer à sa découpe. Et à une distance de quelques mètres, quoi, hein, le temps de... Il doit être à 5-6 mètres. D'accord. Bon, ben, je crois qu'on échange un regard entendu. Ouais. Et tout à fait. Et vu qu'il est en train de manier son hachoir et qu'il doit être occupé, je, sans forcément être très discret, enfin, je privilégie limite plus la rapidité, enfin, sans courir tant. Et je me dirige vers lui pour lui planter le hachoir dans le crâne. Essayer de te diriger vers lui. Voilà. Je vais essayer de m'apprêter à contourner pour venir en soutien à la manœuvre de Garand, du coup. D'accord. Donc vous prenez, d'un côté comme de l'autre, vous essayez de le prendre la fois de revers et de dos, conjointement. Et vous entendez donc l'individu qui se met, qui continue toujours à découper son cadavre. Zylphoros, t'en veux du temps. Dépêche-toi avant qu'on se fasse une tripelle. Zylphoros, qu'est-ce que tu... Et avant qu'il puisse finir sa phrase, on va voir bien comment les choses vont tourner pour vous. Vous allez tous les deux me faire un test de discrétion. Comme il y a du bruit, comme il est occupé, et comme vous êtes toujours un peu groggy, vous n'aurez pas d'avantages ni de désavantages, vous ferez le jet normal. Zéro succès pour moi. Ok. Je rappelle que dans ce jeu, il y a des points de destin, une excellente occasion d'en parler, qui vous permet de relancer des échecs lors d'un test. Et également d'autres petites subtilités, comme résister à la sorcellerie, à la terreur, et à ne pas mourir dans certains effets où normalement vous le devriez. Là, tu as le choix, soit tu acceptes l'échec, ou soit tu dépenses un point de destin qui ne se regagne qu'entre deux aventures, et tu rejettes tes deux dés. Combien on a de points de destin, ça figure Sur la feuille, tout est écrit sur les feuilles. Il y en a trois. Ouais. Sauf, ça peut fluctuer si tu es chanceux ou pas en début de partie avec la chance. Mais donc là, comme vous avez fait des jets normaux, vous avez trois points tous les deux. Là j'étais à deux, moi, ce qu'il y a sur la feuille. Mais c'est trois, c'est ça, normalement? Oui, c'est trois. Parce que toi, tu avais sans doute... Vous aviez, je me souviens, le dernier scénar que tu avais fait... Vous aviez tous les deux tiré un 1 au niveau du test de chance, du départ, ce qui fait que vous aviez moins un point de destin. D'accord, ok. Donc là, ça me servirait juste à relancer les dés, quoi. Oui, sachant qu'il faut faire un 5 ou un 6 pour faire un succès. Ouais. À toi de me dire si ça en vaut la peine ou pas. Il faut que 2 dés, après tout. Ouais. Non, je le fais pas et je compte sur le fait qu'entendant du bruit, il s'attend à ce que ce soit son comparse et qu'il se retourne pas forcément. Voilà. Ok. Continue. Eh bien, en fait, tu te déplaçais vers lui et tu marches sur un ossement aussi. D'ailleurs, encore avec un peu de chair putréfiée qui est sans doute un cubitus ou quelque chose comme ça. Et ça craque sous ton poids et il se retourne aussitôt. Son hachoir en main. Et là, vous voyez donc sa face qui est complètement presque porcine. Il a le front très bas, des arcades sourcilières proéminentes. Lui aussi est glabre et complètement chauve. Et il a une énorme mâchoire
mais vraiment une mâchoire de bulldog, de pitbull, quelque chose de très impressionnant, et avec un regard aussi bovin qu'haineux, il lance un « Bon Némésis !» Et là, c'est l'initiative. Le combat commence. Vous, en tant que normalement que aventurier, ouais, de base, vous avez l'initiative sur vos ennemis. Sauf quand vous les prenez, enfin, quand ils vous prennent par surprise, etc. Malheureusement pour vous, vous êtes équipés tous les deux d'armes courtes. Ce qui, ouais, fait que face à une arme plus longue, comme son fendoir de boucher, vous perdez l'initiative. D'accord. Mais il m'a pas remarqué, ou en se tournant, il nous a vu tous les deux. Si, il vous a vu tous les deux. Parce que, je veux dire, la pièce, c'est pas non plus énorme. Il s'est retourné, et vous multipliez vos chances de vous faire repérer quand vous faites une action de discrétion comme ça en même temps. Et c'est le cas, en fait. Toi, t'aurais pu très bien t'en sortir, mais malheureusement, ton compagnon vous a, ouais, fait remarquer tous les deux. Et donc, il se jette sur Garande, au hasard, parce que t'as loupé ton test, ouais, en beuglant comme un dément. Ouais. Je vais te truper! Et il se jette sur toi avec son fendoir. Tu vois qu'il fait un mouvement très ample, très puissant, mais absolument pas technique pour te couper en deux, du haut en bas. Okay. Tu peux, comme il utilise, on va considérer même que c'est une arme lourde d'ailleurs. Ouais, on va considérer que c'est une arme lourde, ça tombe sous le sens. Alors, tu peux utiliser ta capacité, ton aptitude de combat, oui, avec un dé de désavantage pour parer son attaque parce qu'il s'agit d'une arme lourde, ou tu peux utiliser plutôt ton agilité, elle ne sera pas amputée d'un dé. D'accord. Avec l'adrénaline, vous retrouvez tout de suite vos sens. Ça fait l'effet d'une douche froide sur vous et vous êtes plus groggy. Ok. Est-ce que, compte tenu de mes capacités, est-ce que je peux utiliser ma posture défensive ? Est-ce que je peux être Non. Alors, toutes les postures, toutes les manœuvres, ouais, d'escrime et les bottes secrètes ne fonctionnent qu'avec des épées. Ah, d'accord, ok. D'accord. Donc là, soit tu essaies d'esquiver en utilisant agilité sans malus, oui, soit tu essaies de parer, de dévier sa lame comme tu peux avec ta petite dague, en utilisant combat avec un désavantage, donc moins un dé. À toi de voir. D'accord. Bah ça sera la même chose. Ça fera 4 dés de toute manière. Ok. Bah donc, tu choisis ce que tu fais. Donc pour, ouais, le coup, je tente de parer pour le coup. Mécaniquement, je prends. Ok. Tu vas essayer plutôt de dévier sa lame. Ok. Fais donc ton test de combat. Et c'est un pas de succès. Ok. Le fendoir s'abat avec violence sur toi, en fait, sur ton avant-bras. Il te laisse une plaie assez impressionnante, béante, en fait, sur ton avant-bras. Tu es donc blessé. Tu notes que tu as une blessure sur ta feuille. Alors, normalement, si tu scrolles un peu vers le bas de ta feuille, oui, tu vois qu'il y a blessé, grièvement blessé au bord de la mort. Tu es blessé. Oui. Tu as cette entaille qui ruisselle de sang. Tu n'as pas le bras cassé ni quoi que ce soit. Mais c'est quand même une blessure significative, ok. N'oublie pas de te changer tes points de destin et remettre à 3 pour éviter... Oui. Ok. Donc là, tu es blessé. À ce moment-là, tu peux contre-attaquer, aussitôt après avoir reçu cette blessure. Je vais te laisser la primeur et après on verra avec Belladonna, sachant que... Pardon. En combat, vous pouvez vous faire attaquer que... Même s'il y a plusieurs adversaires, en gros, vous pouvez vous subir qu'une seule blessure par round, même s'il y a plusieurs adversaires sur vous, et inversement, vous ne pouvez infliger qu'une seule blessure à un adversaire. Même si vous êtes deux, ok. Ce que vous pouvez faire, soit vous tentez chacun dans votre coin de faire un test de combat pour maximiser vos chances de le toucher, ok. Auquel cas, si vous réussissez tous les deux, ben ça n'a aucune espèce d'incidence, il pourrait être blessé qu'une fois. Soit l'un aide l'autre, par exemple, dans sa manœuvre. Par exemple, en faisant diversion, en essayant d'attirer l'attention de l'adversaire, ou en lui portant des attaques pour rendre les siennes moins précises. À vous de me dire comment vous vous organisez. Donc, je vous laisse le soin de me dire comment vous préférez faire les choses. D'accord. Alors, moi, je me débrouille bien au combat. Même si c'est pas mon arme favorite, donc si selon toi tes capacités, si tu euh,
si tu m'aides, ça peut être d'autant plus efficace. Maintenant, si tu es bon au combat, on peut tenter chacun une attaque. Ouais, après, si je vois que t'as envie de gérer au combat, instinctivement, Belladonna, vu que bon, jusque-là, elle a été plutôt discrète et tout, et qu'en plus, tu fais une parfaite diversion, elle va aller sur la pile d'affaires. Est-ce que je vois des armes, des épées, n'importe quoi, que je puisse lui lancer l'une au vol, qui pourrait l'attraper au vol pour Oui, tu pourrais. Pardon, tu pourrais faire ça. Une épée, un bouclier, qui l'aide au combat, quoi. Tu pourrais faire ça, alors ça demandera un G. Ça demandera un G parce que il est engagé en mêlée, en corps à corps avec votre geôlier, votre massif geôlier. Et cet adjectif est pas dit pour rien. Donc tu passeras donc ton action à faire ça pour cet assaut. Et tu me feras, bah écoute, comment on fait ça? On va gérer ça sous, je pense, agilité, ça me paraît pas mal. Et compte tenu des circonstances, je vais te demander 2 succès en agilité. 0 succès, j'utilise un point de destin pour relancer. Comme tu veux. Ok. Pardon. Du coup, c'est 0 de toute façon, là, t'as... Ouais, ok. Tu te rends au niveau de la pile, mais pas assez rapidement pour justement éviter que le combat se poursuive. Donc Garande, sauf si effectivement tu fais rien d'autre ce tour-ci, on va considérer que tu peux attaquer maintenant. Oui, ben j'attaque. Okay. Donc sans pénalité, sans non, malus. Je reviens sur ce que j'ai dit, pardon. On va faire les choses un peu plus... on va rester dans le fun quand même. Belladonna, t'as pu y aller. Tu as pris... On va considérer que l'arme de Garande, qui est... en fait, t'as 2 armes, toi, me semble. Oui. Des épées, oui. Hein. Attends, qu'est-ce que t'as comme arme, déjà? Alors, j'ai... T'as une épée longue et une dague. Okay. C'est ça, tout à fait. Sûrement une... Ouais. Bah, t'as vu une belle épée longue de style qu'ils utilisent donc, dans l'Ouest, dans les royaumes bâtards. Donc, une épée bâtarde, quelque chose comme ça. Tu as jeté ça, mais dans la précipitation et surtout dans le combat qui tourne, hein, parce qu'ils sont en train de faire une espèce de tango mortel autour du brasero qui est au centre de la pièce, l'épée de Garande est tombée à quelques mètres à côté d'eux, en fait. Il n'a pas pu la réceptionner. À ce moment-là, Garande, toi, tu contre-attaques, donc tu me fais un test de combat sans pénalité, ouais. Normal, et tu dois avoir un succès pour toucher. Ok. Je l'attaque. Et j'ai 2 succès. Ok. Tu te jettes sur lui et lui, il est assez lent quand même, peu précis. Mais il est puissant, mais lent. Donc tu joues là-dessus, tu tournes autour, comme je disais, presque comme une danse, et tu le surines plusieurs fois dans les côtes et au niveau des omoplates. Il se prend plusieurs coups, il est lardé de coups de couteau. Mais là où ce genre de blessure aurait eu raison de plus d'un adversaire, tu vois que celui-ci ne tombe pas. Il beugle, en fait, il serre les dents. Tu vois qu'il commence à avoir de l'écume apparaître au niveau de ses lèvres. Il commence à s'enrager, peut-être. Il fait un geste ample, désormais, pour essayer de te décapiter net, comme il essaye donc de t'attaquer. Je me fais un test encore de défense, ou de parade, ou d'agilité, d'esquive. Donc de parade, puisque je suis en combat, hein, c'est-à-dire j'utilise ma valeur de combat, hein, c'est ça? Tu utilises l'une ou l'autre. De toute façon, tu as le même nombre de dés, donc oui. Voilà, c'est juste au niveau de la description qui ne sera pas la même. Donc c'est parade avec un dé de malus, hein, on est bien d'accord? Non, hein, sans malus. Ah pardon, oui d'accord, si j'utilise ma valeur de combat, 5 dés, c'est ça? Si tu utilises ta valeur de combat, tu as un dé de pénalité parce qu'en fait c'est une arme lourde. Voilà, que, d'accord. Voilà. Okay. Mmh. Dans tous les cas, j'ai 4 dés, quoi. Cas, j'ai 4 dés. Voilà, donc j'essaye de... Pour le coup, vu son geste, j'essaye de parer. Ah là là là. Là, si tu réussis pas, tu vas te prendre une vilaine blessure, tu vas être grièvement blessé. Voir. Ouais, non, là pour le coup, je prends le point de destin. Vas-y. Ouais. J'en appelle, je le noterai après, hein, mais là, j'en appelle au destin, justement, là. Ouf, okay. 3 succès. Sans problème, tu dévies son tranchoir, cette fois-ci. Tu te remets en position, le tranchoir finit, en fait,
par faire une gerbe d'étincelle contre la lame de ta dague et à frapper de plein fouet le bras zéro. Le bras zéro tombe sur le côté et commence à répandre en fait des braises incandescentes dans la pièce. Ça ne cause pas un incendie, mais ça pourrait éventuellement faire mal pour celui qui marcherait dessus, par exemple. Ce qui fait que la luminosité est en train de tanguer, de changer au gré en fait de ces braises qui commencent à s'éteindre pour certaines et à continuer à être bien vivaces pour d'autres. Ça fait du bruit, votre combat, et oui. Vous doutez que si celui-ci va pour s'éterniser, vous risquez peut-être d'attirer l'attention. D'ailleurs, vous entendez nettement maintenant tous les deux un bruit de chaîne. Et des grognements qui proviennent de la pièce de l'autre côté où il y avait la porte ouverte tout à l'heure, mais sans voir qui que ce soit apparaître. Belladonna, c'est à Belladonna ou Garande, à vous de me dire ce que vous faites cette fois-ci. Qu'est-ce que vous faites? Alors j'ai lancé son épée, j'aimerais saisir ma rapière si elle est à portée de main. Oui, tu saisis ta rapière, pas de problème. Ouais. Du coup, je vais essayer. Je vais tester la manœuvre attaque en flèche. Ouais, pour justement foncer sur lui et essayer de l'avoir par derrière. Ok, et Garande, toi, tu essaies d'attirer son attention peut-être pour donner un dé d'avantage à Belladonna ? Ouais, très bien, ouais, tout à fait. Ouais. Tu peux faire une attaque, Belladonna, avec un dé d'avantage. Un succès. Bah ça suffit. Au moment où le bras zéro tombe, ton compagnon est en train d'éviter à la fois les braises et les attaques... puissant de votre adversaire, et tu te transperces de part en part. Ta rapière, en fait, la lame, la pointe de ta rapière arrive à quelques pouces de la tête de ton compagnon, comme tu l'as complètement transpercé entre les deux vertèbres cervicales et par la bouche, en fait. Il a ouvert la bouche et ta lame est partie, est ressortie de l'autre côté. Pétant quelques dents au passage, tu retires ta rapière, t'as un geste expert, et le dernier de geôlier finit par s'effondrer lourdement sur le sol. Magnifique. Qu'est-ce que vous faites maintenant? T'entendais toujours grogner et il y a un bruit de chaîne de l'autre côté. Premier réflexe, je ramasse mon épée par terre. Tu ramasses son épée, très bien. Et si je peux avoir le temps, j'aimerais me prendre qui est à moi. Alors j'imagine l'armure, ça risque de, enfin l'armure de cuir, le pourpoint de cuir, ça risque de prendre un petit peu de temps peut-être. Donc mais au moins le pas tant que ça. Ça reste que un gilet de cuir que tu peux enfiler, peux juste passer la tête et puis pas forcément le fixer sur les côtés. Bon, c'est comme ça que je le vois un peu. Donc sinon c'est une armure légère, donc ça prend pas longtemps. Je réenfile ça, je récupère ma dague si je. Okay. La retrouve, je récupère toutes mes affaires tout en gardant un œil sur la porte, sur le passage, pour surveiller ce qui peut arriver, si quelque chose arrive. Très bien. Vous vous équipez, je considère que vous pouvez finalement récupérer votre équipe. Ah, sauf si tu veux pas, bien sûr, hein, tu veux faire autre chose peut-être pendant que ton compagnon s'équipe, Belladonna ? Non, effectivement, je vais m'équiper et j'en profite pour récupérer ma main gauche et glisser la dague de Zolamar dans ma botte. Bien, oui, mais tu peux noter ça. Tu peux trouver aussi dans ses possessions une carte. Tu peux te noter que tu as une carte, en fait, une étrange carte. Tu ne sais pas ce qu'elle représente, c'est une carte qui a été faite sur un étrange type de cuir. Tu peux noter carte de Zolamar, simplement. Comme ça, on s'y retrouvera. Est-ce qu'il peut y avoir de quelque chose de immédiatement visible, d'utile dans le fatras d'équipement Il faut que tu me précises ta pensée. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que je cherche? Bon, moi, dans mon équipement, j'avais un arc. J'ai retrouvé mon arc également. Tout ce que vous aviez sur votre feuille de personnage, vous le retrouvez. Ok. D'accord. Ok. Bon, honnêtement, à ce stade-là, je sais pas si je cherche autre chose. Enfin, je me sens suffisamment équipé pour. Après, tu peux, hein. Mais il faut me dire ce que tu cherches. Ouais, non, mais j'ai pas besoin de choses en plus. Il y a quelques armes ici et là pour
affiner un peu plus la description de ce tas d'objets complètement chaotiques. Il y a des armes pas forcément d'aussi bonne qualité que les vôtres. Il y a surtout des couteaux, des dagues. Vous voyez qu'il y a une épée courte ici, un cimeterre là, de qualité on ne peut plus passable. Quelques gilets de cuir ou de tissu épais qui présentent pas mal de dégâts. Vous pouvez voir peut-être un casque ici. Quelques du matos, j'ai envie de dire classique, torches, lanternes, etc. Vous avez aussi, si jamais vous voulez ce genre de truc, vous pouvez. Mais à première vue, je précise bien à première vue, c'est tout ce que vous voyez d'immédiat. Donc pour l'instant, je vais en rester là. Et s'il reste un petit peu de temps, le temps que, enfin, je regarde plutôt du côté de coup et P là pour de du geôlier, pour voir si, de, si en le fouillant, je peux trouver quelque chose, d'autres clés ou quoi que ce soit. Non, tu trouves rien sur lui. Tu trouves une bourse avec quelques pièces et des dents en or, d'ailleurs. C'est à peu près tout ce que tu peux trouver. Par contre, vous êtes au milieu, en fait, d'une scène de boucherie, littéralement. Vous avez de nombreux... parties de corps humain qui sont empilées dans des paniers d'osier. Il y en a qui comportent que des mains, d'autres que peut-être des bras, des avant-bras à première vue. Vous voyez que il y en a une autre avec des têtes, etc. Enfin voilà, c'est assez méthodique. Il y a du sang partout. Il y a des tripes par terre. Il y en a. Il y a des chapelets de tripes qui pendent même accrochés à d'autres petits crochets. Pente du plafond, ça pue la mort, ça pue le sang, et je dis la mort, littéralement. Vous êtes au milieu du cloaque, sans doute dans un repère de cannibales. Vous prenez donc un coup au moral. Okay. Au moral, je rappelle, ça, c'est juste une petite subtilité mécanique hop, j'y arriverai. Qui n'a pas d'incidence en termes de jet pour le moment, tant que vous votre morale ne sombre pas plus bas. Donc là, pour l'instant, vous êtes ce qu'on appelle donc vous êtes démoralisé, voilà. Donc il n'y a aucune pénalité particulière. Vous êtes juste pas bien, voilà. Okay. Et si ça empire, vous devenez désemparé et dans ce cas, vous perdez le privilège de l'initiative automatique. Okay. D'accord. Voilà. D'accord. En plus de tous les effets narratifs, roleplay et compagnie. Alors pour une question RP, est-ce que je suis pas déjà désemparé parce que ça m'a quand même fait un choc de découvrir Zolamar comme ça pendu. Et effectivement, oui, on va dire que toi t'as cumulé les deux. Je te l'accorde. Toi déjà le fait de voir Zolamar, j'aurais dû commencer par là déjà de base, ça te mettait un coup moral. Et le fait de ta situation maintenant aussi. Donc, même si c'est deux coups moraux très proches, tu es considéré comme étant désemparé. Donc là, tu vas vraiment pas bien. Je me tourne vers Belladonna, je lui dis ça va ? Tu te sens prête pour la suite ? Oui, il faut bien survivre. Mais on devrait fuir d'ici au plus vite. Ouais, mais t'as dit le mot juste. Hein. Là, à ce stade-là, c'est survivre. Et je regarde vers la porte pour voir entre les bruits de chaînes et est-ce que je peux m'approcher prudemment pour voir s'il y a quelque d'où vient ce bruit et qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce. Ok. Tu t'approches de la porte. Et tu je vais pas mettre celle-là, je vais mettre celui-là. Tu vois en fait une vaste pièce, comme une grande cave. Une grande cave, un peu comme l'illustration que vous voyez devant vous, sauf qu'elle est beaucoup plus vaste que ça, qui est soutenue par des piliers. Il y a des tonneaux, des caisses, plus ou moins vermoulues les deux. Tout un empilement en fait de denrées qui a été collecté, entreposé dans cette vaste pièce. Au fond de celle-ci, alors là, il faut absolument que vous éclairiez un peu. Il vous semble voir les débuts
d'un escalier de marche qui monte direction de l'étage. Mais la chose qui tout de suite vous saute aux yeux, c'est qu'au centre de cette vaste pièce, il y a un grand trou. Eh bien, un trou qui doit faire peut-être 5-6 mètres de diamètre. Quoi. C'est vraiment un grand trou que vous voyez, et les bruits de chaînes proviennent de ce trou. Et donc, il y a tout un fatras à l'intérieur de cette vaste pièce qui ressemble un peu à un repère de contrebandier ou ce genre de choses. Que faites-vous ? Alors, déjà, est-ce qu'on a récupéré que nos armes ou on a toutes nos affaires maintenant ? Non, j'ai dit, vous pouvez récupérer tout ce que vous aviez sur votre feuille. D'accord. Plus ouais. Éventuellement 2-3 petites babioles, on va dire classiques, sans problème. Ok, parce que du coup, j'ai une lanterne de voleur naturellement, donc... Oui. Je la propose à Garant si, en lui montrant, enfin en rabattant un peu le cache pour permettre de faire juste un rayon de lumière suffisant pour nous éclairer. Ça nous permettra d'être plus discret. Ok. Donc en fait, la lanterne de voleur, ça émet un faisceau de lumière, en fait, un peu comme une lampe torche de jour, avec une espèce de cache que tu peux moduler un peu comme tu veux. Et donc tu éclaires, ton faisceau s'arrête sur certains points. Qu'est-ce que tu essaies d'éclairer au juste ? Est-ce qu'il y a quelque chose en bas ? Tu t'approches du trou, et en t'approchant du trou, donc tu serpentes au milieu de tonneaux, de caisses, de sacs en toile de jute, de parties du plafond qui sont effondrées d'ailleurs, enfin en partie quelques éboulis, et tu marches aussi sur des os, de la vaisselle brisée. Et tu arrives au bord de ce trou, et tu vois, en fait... C'est toi qui as une certaine éducation, tu te rends compte que c'est pas juste un trou qui a été creusé dans le sol, mais t'as l'impression que ce sont les restes d'un genre d'amphithéâtre qui descend en fait à intervalles concentriques et réguliers, donc vers le fond du trou, et tu peux apercevoir une silhouette gigantesque. On parle de là, on est sur du 2,50 m à plus de haut. Énorme aussi en termes de stature, qui est attaché pour le coup par de très grosses et robustes chaînes qui l'entravent, et elle est en train de tirer ces chaînes, elles, qui sont tendues à l'extrême, prêtes à se rompre, dans votre direction. Tu vois que elle aussi, si l'autre avait un coup de taureau, celui-ci doit avoir un coup, dirons-nous, d'auroch ou de mammouth, tellement il est grand. Et tu ne sais pas. Tu vois pas vraiment les traits de son visage, tu l'entends juste grogner, un grognement bestial. Rien d'humain. Pas de traces de geôlier à notre niveau ? Pour l'instant, vous ne voyez pas. Et il y a des portes, des issues ? En regardant, tu vois que derrière cet individu, ce colosse géant, tu peux apercevoir une grille, une grosse grille en fait, assez grande pour faire passer facilement la chose qui se trouve dans le fond du puits. Ah, dans le fond, d'accord. Ouais. Mais tout en bas du puits. C'est par là, il y a bien une porte autre que passer par là où il y a entre guillemets la bête. Je rappelle que vous avez remarqué qu'il y a des marches qui montent dans la pièce où vous êtes, hein, qui ne sont pas au niveau du trou, qui sont au niveau de la pièce. Est-ce que je peux rapporter un brasero de la pièce précédente pour illuminer l'ensemble de la salle ? Non, le brasero est utilisable, il a été renversé. Mais tu peux allumer une torche si tu le souhaites et la jeter dans le puits ici, enfin dans l'amphithéâtre. On va appeler ça pour ce que c'est. En tout cas, j'ai l'impression qu'à part le prisonnier, le gros là en bas, j'ai l'impression qu'il y a personne d'autre. On peut éclairer pour s'y retrouver et pas marcher n'importe où. Je me penche un peu dans le trou, enfin sur le trou plutôt. Est-ce que vous me comprenez ? T'entends, pour toute réponse, plus de grognements. Oh,
Si vous comprenez, grognez trois fois. Éclaire sa tête pour voir. Ouais, j'ai essayé d'éclairer sa tête. Vous voyez que il a des traits grossiers, rudes, qui lui donnent réellement une apparence de brute épaisse et difforme. Il a ce qui ressemble à une espèce de longue barbe, mais extrêmement filasse et crasseuse, qui lui tombe presque jusqu'au niveau du nombril. Et ce qui vous choque, c'est la petitesse de ses jambes comparée au reste de son corps. Il a des jambes qui sont arquées et réellement plus petites que le reste, en fait. C'est quelque chose d'extrêmement étrange. Ça ressemble à un homme, mais ça n'a pas l'air totalement d'en être. Oui, c'est... il a l'air trop sauvage. Ouais, ça pourrait être une circonstance, mais enfin encore faut-il en être certain. J'ai peur que non. Imaginons que ça peut être des cannibales, mais ils peuvent essayer de le nourrir aussi avec les restes humains. Ouais. Ça ressemble beaucoup à une fosse de bête de combat, ça. Vous entendez un bruit, un fracas métallique comme un coup de tonnerre qui résonne dans toute la pièce où vous trouvez. Aussitôt, la chose qui est dans le trou recule en poussant un gémissement plaintif et met ses mains sur ses oreilles. Donc, que faites-vous ? Sur.